Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Et nous retournons encore dans la deuxième série que nous gagnons chaque semaine. Et maintenant, pour nous capables de faire un petit causer ensemble avec vous. Et maintenant, de la parole de Dieu, et même qui c'est nourriture spirituelle pour moi-même ensemble avec vous. Comme vous connaissez déjà, l'homme ne peut vivre pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme nous t'avons dit pour un premier parti, hein, et maintenant de Zaché qui t'a vivant dans la richesse, li, et maintenant, donc, les rives dans le carrefour, les ouais que richesse là, pas satisfaisante, pas qu'à répondre, et maintenant, pas qu'à rendre complet. Donc, les premièrement, les décider pour les ouais nom que relé Jésus de Nazareth là, que relé le Fils de l'homme. Et maintenant, donc, en dernier verset, hein, c'est que, qui dit nous, car le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, est venu pour chercher et sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, en Zaché, dans la position qu'elle était hier, il était dans une position de perdition. Est-ce que là, je ne dis pas même que je suis dans la perdu, non? Mais nous prenons Zaché, à côté de toute richesse qu'elle était gagnée, à côté de toutes amis qu'elle t'a gagné, à côté bel travail qu'elle t'a gagné, il était un homme qui était perdu, malgré que il était sorti dans lié d'Abraham. Amen. Et soutenez ça? Zaché, malgré richesse li, malgré contact li, malgré connaissance li, malgré pouvoir, parce que au fait nous connaît, amen, Zaché, c'est un chef des publicains. Il n'est pas ton petit publicain comme ça. Il n'y a pas ton taxe collecteur, c'est-à-dire qu'il y a un office, il y a des hommes sous sa responsabilité. Donc, c'est ça que nous allons couvrir dans la deuxième partie. Et maintenant, donc, une fois de plus, nous disons bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Marlène, dans la deuxième série. Comment ça va? Ça va très bien. Pastor Robert, not only that, we find the story of Zacchaeus very, very interesting. Because one thing, Pastor Robert, when Christ says, and Jesus says unto him, this day is salvation come to this house. Amen. And to this house, for so much as he also is a son of Abraham. And you know, but for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. We find this many times, you know, almost all the time, that, you know, we have our children because their parents are serving the Lord. Amen. They think that, you know, they're all set for the kingdom of God. My parents, I was raised in the church. I was born in the church. My mother has been born from a Christian family. So I'm all set. I've been, you know, I have held many offices in the church. You know, I'm that and this. Is salvation has come into you? Have you received salvation? Because you could be in the church. And, you know, as Pastor Roberts was saying, is that where the life that Zacchaeus was living, the road that he was going down was not a road of salvation. But yet again, Jesus said, he also is the son of Abraham. That means that, you know, he came from a lineage of Abraham. And Abraham is the father. I mean, hey, you're looking for faith. You're looking for a man that knows the Lord, you know, friend of God. It's Abraham. You will say, oh, my goodness. Definitely. He got to be saved because, you know, of his descendant. No. But he also, Zacchaeus felt that, you know,
understand the need that he had, and he had to meet Christ, because you could be in the midst of religion or meet of the church and never meet Christ, never seek salvation. That's a very important thing. You know, this is where we want to go down with you here. You could be in the church 24/7. Father's a pastor, mother's a pastor, ministers, evangelists, all of the bishop, amen, elder, you know, deacons. You have every names in the book. But as a child of these men of women, men and women of God, you never have or you never meet Christ, and you never seek for salvation for your life. And this is very important. Whatever the lineage of Zacchaeus was, amen, he met Jesus when he seeked for him. And this is why we are encouraging you, for you to seek for Christ, amen? And to seek for salvation. Because the day that he seeks for salvation, Christ says that, you know, salvation has come to this house. It doesn't have to be a physical house. Your heart is a house where the Lord resides. Mm-hmm. Amen, Pastor Robert? Amen. Amen. Yes. Yon aspect écriture que nous lisons après-midi, en tant que missionnaire, c'est dans verset, amen, c'est dans verset 8 là. Mm-hmm. Amen? Dans verset 8 là. C'est-à-dire, ça que Zachée t'es besoin de joindre, qu'on y est là, amen, lui dit que il pourra le partager. Mm-hmm. Amen. Ça lui gagne avec l'autre monde. Yes. Il dit Zachée se tenant devant le Seigneur. C'est pas monde là pour expliquer ça le pourra le faire, mais il dit Seigneur là. Mais ça que me pourra le faire. Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est-à-dire, là, nous avons esprit de pardon. Là. Pardon. Pardon. Ouais, deux mots. Pardon. Giving. Mm-hmm. Forgive. C'est-à-dire, depuis wa bay, c'est-à-dire, ou à partager, et maintenant, ça qu'on gagne. Mm-hmm. Ou partager ça que Christ fait pour même dans la vie. C'est-à-dire, dans cette portion, ça nous est que caractère évangélique, et même qui est en développé, qui est Zachée. Amen. Vous comprenez? Ou pas qu'à dire, ou non, bon Dieu, ou pas gagne pour bail, ou bon bagaille pour bail quand même. Mm-hmm. Ou bon action pour faire. Amen. Parce que, Jésus dit, femme samaritaine, ma bon de l'eau cap jaille dans la vie juste dans l'éternité. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'air ouvre porte cœur pour Jésus entrer, et même Jésus mettait une source dans nous-mêmes. Mm-hmm. Ouvre une source, et même une source de joie, une source d'abondance, une source de paix, une source de guérison. Amen. Bon Dieu pas délivré ou, li pas sauvé ou pour être stagné. Li sauvé ou pour capable et même continuer faire travail que lui-même lui commencé à. Amen. Et ça le dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est-à-dire Zachée était malade, li vient docteur a guéri, côté le guéri là, li tout ballon job, li docteur tout. Est-ce que là?
Il vient au docteur, docteur ça, docteur Zaché, il est là pour le consoler. Docteur Zaché, il est là pour le guérir. Parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. D'après Marc chapitre 16, et maintenant, donc, nous pas capables de gagner 5 ans, 1 an, 20 ans, 40 ans dans l'évangile, et maintenant, pour pas capables, alléluia, et maintenant, pour pas gagner exploit. Amen. Pour pas gon bagay, pour pas gagner yon impact. Amen. Lors joine Jésus, amen. Jésus permet que vous capable faire impact sur environnement. Amen. Environnement. Il dit, amen. Voici les miracles dans Marc chapitre 16 verset 17. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Amen. C'est-à-dire Zaché, amen. Le fait qu'elle quitte Christ entré, amen. Zaché qu'on y a là, adresse Zaché, vient ton adresse de miracle. Amen. Il y a des gens qui te connaissent, viennent la caille Zaché chaque jour, chaque semaine, mais chaque mois. Mais qu'on y est là, moun, le fait que salut entre dans la maison, c'est-à-dire tout le monde qui te assemblé autour de Zaché, jour ça, ils recevront bagay. Et nous-mêmes qui venons là dans le studio, nous avons des choses qu'on recevoir. Amen. Nous avons des choses qu'on doit recevoir. Nous avons besoin pour recevoir l'onction Saint-Esprit de Dieu dans la vie. Nous avons besoin pour capable accepter Jésus. Alléluia. Parce que Actes chapitre 10, verset 9 dit nous, amen, si nous confessons avec bouche nous, amen, que Jésus-Christ, il est le Seigneur. Si nous croyons dans le cœur, nous, amen, que Jésus est ressuscité des morts, alléluia, la Bible dit nous, tu seras sauvé. Amen. C'est ça Jésus est venu faire. Pour être capable de sauver moi-même ensemble avec vous. Sauver de qui ça? De la puissance du péché, de la puissance de la mort, amen, de la puissance de la maladie. C'est pour ça Salmis Lancampé, il dit, je ne mourrai pas, amen, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et nous souhaitons que bon Dieu soit capable de bénir nous, amen, pour capable de travailler, amen, pour la gloire de Dieu. Amen. Apôtre Paul déclaré dans 1 Corinthiens 15, 58, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça, on peut ajouter dans sa lettre. Amen. Et oui, juste pour ajouter, as you were saying, Pastor Robert, Zacchaeus, when he accepted the Lord, God didn't ask him what you have done wrong, what you did wrong. Jesus didn't say, oh my goodness, I come to your house. You understand that, you know, me as the Lord that come to your house, you're going to have to do things differently. You're going to have to, you know, to start, you know, the money that you steal, the money that you have done that. And this, let's do something, right? But to tell you how powerful the presence of the Lord is, with God as the light of salvation. Amen. He entered the house and Zacchaeus says that, you know, oh my God, I did not know how good that light was. I do not want to have anything in darkness. And, you know, injustice become in his mind and say that, you know, oh no, I have done wrong. I'm going to change that. You know, oh, I have to help the poor because, oh my God, this is what the kingdom of God is all about. That's how good that I feel. I don't even leave earth yet and I feel so good. Oh my God. No. You know, and you know, if the king, because one thing that you know, Pastor Robert, when you accept God, Jesus Christ, is because that you recognize that, you know, he's the king of salvation. You know, and if you see how the king is, so you say to yourself, why do I need, why don't I share? As you were saying, you know, you see the needs, you feel the needs to share. You feel the needs to bring joy to somebody, to bring food to somebody else, because that, you know, everything that you need is in that man. And you got the man who offers you eternal life. And, you know, that Zacchaeus understood. Not only that, you know, he seek for the Lord and he find God, but he, how importantly,
and you know that he talked the Lord. Mm-hmm. You know, and this is why in Mark chapter 16, as Pastor Robert was saying, that, you know, and God says, well, this is what will accompany us when we become Christians, for those who are in the Lord. And this is why, you know, we understand the missionary work. Because as missionaries, the reason that, you know, you some people probably think, why will somebody, why will I share what I have? Why not? Because if you're the daughter and the son of the king, amen, why not? You see the needs to help others. You know, you see the needs to feed others. You see the needs to console each other. Because that's what your father invested in you. Amen. Glory to God. And, you know, when we look at the kids in Dal Jatmel, we look at the kids in Gunkit, we are so happy. We're not happy because that we have done anything. Mankind cannot do nothing. But we are happy that God used us as his hand and his feet, you know, to walk and as his mouth to talk about the program and, you know, and make a difference in somebody's lives, you know? And, you know, and today, as Pastor Robert was telling you, today is the day of your salvation. We don't need to be there, you know? Actually, all you have to say, Jesus. John 3, verse 16 says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, whoever believe in him shall not perish and have the everlasting life. Jesus, you have give your life for me to have everlasting life. I recognize that I'm a sinner. I recognize that I have done wrong. I recognize that, you know, my life has not lived according to your will. But Father God, I'm asking you for forgiveness. And from today, I want to be the person that you created me to be. In Jesus' name. In Jesus' name. Do not forget this part. In Jesus' name I pray. And tell these people in Creole how, what the, you know, because people, you know, you see, it's not, Jesus is not complicated at all. You know, Jesus is a cool dude, you know. He is a cool dude, as I realize, he's a cool dude in a loose mood, you know. But Jesus is a cool dude because he's offering salvation. Mm-hmm. But the seriousness about him, he's the dude who loves you, who cares for you. He died on the cross for you and I, but he is coming back. This is the seriousness. You know, and donc nous content. Amen. Pour belle réaliser ça au fait. Amen. Et maintenant Jésus c'est raison qui fait que nous là et nous content et maintenant pour nous capable prier pour pays ça pour les États-Unis et maintenant pour bon Dieu capable toujours faire grâce et faveur et maintenant nous-mêmes qui c'est habitants qui habitent dans territoire ça. Et pour le Seigneur capable toujours faire nous grâce. Et pendant que lui fait nous grâce, faut nous penser dans l'autre coin monde là, et même gien monde qui pas gien avantage ça. Et même gien monde qui pas gien avantage ça pour nous penser avec eux. Et même pour nous penser yo besoin santé tout, pour nous penser que yo besoin en éducation tout, pour nous penser avec eux, yo besoin pain spirituel là qui est la parole de Dieu. Amen. C'est peut-être ça nous-mêmes en tant que missionnaires dans l'exercice matinal, n'a pas encouragé et même pour involve dans des activités missionnaires. Et même donc maintenant nous gantan dans mois mars là, nous pas en avril et même côté saison commencer à réchauffer. Amen. Donc nous dans spring qu'on y est là. Amen. Donc pied bois yo, petit bougeon yo commence à bougeonner. Amen. Donc en fait nous-mêmes commencer souké kon nous pour nous capable. Amen. Nous gain plusieurs bien-aimés qui commencer reler nous. Amen. Pour activité missionnaire pendant année. Donc ou même tout qui t'a voulu accompagner nous pour nous aller au Cap Haïtien ou bien à Jacmel pour nous aller des petits moun sa yo, et ben ça qui dans l'école, ça qui orphelin,
ça qui pas gain maman, ça qui gain pas gain papa, ça qui lagué et même c'est il a fait ti moun avant l'âge yo. Pour comprendre ti moun ça pour nous rassembler yo, pour yo prier ensemble, pour yo jouer ensemble. Donc en nous même exercice matinal et même nous engager nous et même dans ça Christ ba nous pour nous même nous capable longer main. L'on fait ça, c'est réduire pour réduire taux de délinquance qui est dans le pays d'Haïti. Actuellement là, et maintenant nous passons des années, des mois, nous t'allons pour un petit soleil en Haïti, mais on pas capable à cause en pile jeune yo gen gros âme nan men yo, moun ki méchant yo la gen âme nan men yo, la gen toutes sortes bagarre nan men pour faire des crimes, pour assassiner moun. Donc bien-aimé, il est très important et maintenant le Seigneur bon liberté et même pas prendre liberté ça pour contre ou besoin pour partager et même grâce ça même Jean Zaché et maintenant te dit mon pas arrêter comme ça puisque ça lui est entré la caille moi même qui sont pécheur alléluia faire moi même capable faire de même et même pour me capable entrer caille l'autre monde pour nous porter grâce et bénédiction. Donc c'est ça il dit nous voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom et maintenant ça le dit et même ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc, il termine le concert dans verset 19 là. Il dit, le Seigneur Jésus-Christ, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Enlevé. C'est-à-dire, Christ, même j'en étais monté au ciel là, c'est qu'on s'est moi-même ensemble avec eux, si nous étions fidèles, et même nous gagnons pour nous enlever au ciel tout également, et même d'après ça que nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, qui dit nous à un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ. Bien-aimé, l'Église gagne pour l'enlever. Yes. Nous guettons tout signe déjà. Guerre ça que nous ouais entre la Russie et l'Ukraine non, la Chine gagne pour l'entrer là-dedans, l'Iran, l'Irak, les États-Unis, Canada, la France, yo gagnent pour yo entrer dans bataille ça. Donc bien-aimé, mettez l'huile dans l'op non. Ranger cause nous, préparer mal et tout. L'on le voyager, c'est pas les jours arrivés pour chercher côté godé, côté chemisier. Préparez l'ampou, mettez l'huile, restez dans la prière, restez dans la parole, restez dans la sanctification. Préparez-vous, parce que l'avion va le décoller. Nous ne pouvons pas mettre l'avion décoller sans nous-mêmes. Si l'avion décolle, vous restez ou apprêtez dans la grande tribulation, côté ou pas le moyen, ou pas le prendre maxi 166 là pour capable de travailler. Côté ou pas le prendre maxi 166 là pour capable aller à l'école. Côté pour manger, faut prendre max, pour faire gaz, et même faut prendre. Ça nous est assez un commencement. Li. Et même, vaccin qui vient là, ou yode yadou, et même nous prenons 100 là. Nous, ou pas, nous prenons 100 ton bagay. Ou pas, prenons 100 ton bagay. Oh, yeah, y a dou, pour travail, faut prendre vaccin. Pour arrêter en université, dans le campus, faut tout le monde prendre vaccin. Donc, il pas prêté comme ça. Gon kafou à privé, yo pral force ou, et même sou pa prendre, et même, ou pas ka sou moun encore, même vle faut qu'on est, ou capable éviter bagay ça. Accepter Jésus, je dis. Amen. Accepter Jésus. Yes. Rejeter tout as your ça. Personal savior. Amen, as your personal savior. Donc, il fait dans 4 minutes 33 secondes, nous va jeter pour nous. Amen. Nous va font tirer aller. Amen. Sur activité missionnaire. Amen. Que nous-mêmes n'a fait, nous planifier pour année ça. Amen. Nous connaissons dans le mois avril là, c'est Easter. Et bien, nous avons des activités qui peuvent être faites dans l'église là, des activités qui peuvent être faites dans l'école là, et même pour parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, maman, fait, on va aller sur ça pour nous-mêmes à la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Oui, activités que nous gagnons, Cap Vini. Bon, première activité que nous gagnons qui est sous pied, c'est que, et puis à bâti, amen, puis à bâti, et nous commençons à faire des vêtements et, qui pourraient aller et à la rencontre de ce projet, so, et ou même qui t'es participé dans le RAF là, et nous bénissons, bon Dieu, pour même, et que bénédiction, bon Dieu, toujours suive vous. Amen, amen, pour tout le monde, ça au bois de l'eau. Et nous gagnons l'école là, qui a bâti, et qui a bâti, et qui côté building, nous avons l'école, l'église,
et clinique. Mm-hmm. So, ou même qui t'a aimé ba un bloc, ou même qui t'a aimé ba un sac ciment, ou même qui t'a aimé bailler un clou qui t'a vraiment ba un feuille tôle, pas hésiter, relez nous dans 617 364 93 62. Mm-hmm. Amen. Ou ka relez pasteur Jean-Robert Laurent dans 617 272 08 53. Mm-hmm. Amen. Et ou ka aller important. It is very important that you know to go and visit our website. Mm-hmm. The website has everything that you need. You know, and I don't Austin, know if Austin if you can post it on the website, on the show, the address, for us, yes. Even for the viewers, to even see to see where if they want to see what the work that we do, yes, and exercise matinal. Yes, and the website is www.exercicematinalforchrist.org. Email www.exercicematinalforchrist.org. Email nous pour être tout bagage, tout est clair. Mm-hmm. Ou cas ka seulement et partager, cliquer et ça qu'on remet et bail pour travail là, c'est juste cliquer et puis tout a venir joindre nous, quitter note pour nous, send us notes. Mm-hmm. Amen. Tell us how you like the work, you know, and it's going to be a joy. And en avril, si Dieu veut, pour fête Pâques, nous gagnons Timounio qui va le fêter. Mais de la fête de Pâques, la résurrection, le retour de Jésus-Christ qui sera bientôt. Et puis, nous gagnons le 19e anniversaire de l'exercice matinal, cap dernier de 19-year anniversary of exercice matinal, gonna be the last week of April. We are praying and, you know, and we'll praise the Lord for His great faithfulness. Yes. Et May and in the month of May, 16th of May, that's going to make 2 years, amen, of this site of missionary work in Jacmel. And you know, we'll have a celebration of for the faithfulness of the Lord as well. Amen. We hope that God open doors. We can go. You can come with us. Mm-hmm. Donc, si vous besoin, if you need to contact us, my phone number is 617-272-0853. You could write us in our email address, yes, which is exercicematinal@gmail.com or jeanrobertlaurent@yahoo.com. Once again, my name is Pasteur Jean-Robert Laurent. Nous sortons dans l'église missionnaire de la Nouvelle Alliance. Mais chaque dimanche, dans la cour d'Orchester, dans 455-457 Blue Hill Avenue, et maintenant, l'équipe là, pour nous capables d'adorer le Seigneur ensemble, comment? En esprit et en vérité. Amen. Et nous voulons une grande salutation à tout l'église missionnaire, particulièrement à Pasteur nous, Pasteur Jean-Aubert Jean-Baptiste, Alléluia, évangéliste Angéline Frézin-Basile, à Sœur Vierge Lamilo, à Jack Andaman Pierre-Louis, et même avec Église de Dieu des élus, Pasteur Franklin Jean-René, Sœur Bernard Abbé, amen. Et Frère Smith, prédicateur Smith Janvier. Et nous remercier amen à Telboro, amen de state of the city of Telboro who accept exercice matinal, amen for the glory of God. Amen. May God bless you. And Austin, you are we give you a shout out. Amen.